Oui, je peux dire bonsoir parce que il est bientôt 18h. Merde, on va pas. Ah, bon, tant pis. Donc maintenant, je vais vous donner 5 trucs pour vous donner des idées pour vos dessins. Alors, truc numéro 1, regardez tout ce qu'il y a autour de vous. C'est-à-dire, si moi je regarde là, par exemple, là j'ai une fenêtre avec une magnifique vue, mais on ne voit rien du tout, c'est la nuit. Si je regarde là, j'ai mon chat. Voilà. Si je regarde devant moi, j'ai l'appareil photo. Vous allez regarder. Si je regarde là, j'ai l'appareil photo. Là, j'ai mon téléphone. Voilà, j'ai tous des objets autour de moi. Il suffit juste que je regarde un seul. Par exemple, je prends ce crayon. Magnifique crayon d'ailleurs. Mais voilà, j'ai une idée de dessin, je peux dessiner mon crayon. Voilà. Deuxième truc. Demandez aux gens deux mots qui n'ont rien à voir. Vous demandez. Peut-être ça fonctionnerait mieux si vous demandez à deux personnes différentes. Mais deux mots qui n'ont rien à voir. Et vous essayez de dessiner quelque chose qui colle ensemble. Enfin, quelque chose qui a un rapport avec ces deux trucs. Vous dessinez, par exemple, je vous dis. Comme j'ai dit avant, crayon et ordinateur. Donc là, vous vous dites, oh, mais ça va pas du tout ensemble. Mais je m'en fous, ça va pas du tout ensemble. Vous dessinez peut-être un crayon d'abord, et après, avec ce crayon, peut-être que vous faites que le crayon dessine l'ordinateur. Ou je sais pas, voilà. Vous vous imaginez des mots, ou alors vous prenez des pages dans le dictionnaire au hasard, vous trouvez ces mots, et vous essayez de dessiner. 3. Comme dirait plein de gens, Google est ton ami. Oui, parce que sur Google, il y a Google Images. Et Google Images, il y a tout ce que tu veux. C'est-à-dire que si tu veux chercher un oiseau, tu peux chercher un oiseau. Si tu veux chercher une maison, tu peux chercher une maison. Si tu veux chercher... Non, on arrête parce que... Ouais. Trop mignon. Par exemple, prenons comme exemple un chien. Vous pouvez tomber sur une image qui ressemble à ça, par exemple. Voilà. Vous pouvez très bien trouver une image qui ressemble à ça. Ou encore à ça. Ouais. Google peut vous inspirer énormément. Voilà. C'est très simple à dire. C'est très simple le dessin. C'est très simple à trouver des idées. 4. Je prenais une feuille blanche. Vous faites un trait dessus. Un tout petit trait. Tout mignon. Tout joli. Tout fin. Même épais si vous préférez les choses un peu plus grosses, si vous voyez ce que je veux dire. Et avec ce trait, qu'il soit droit ou courbe, toujours pas de sous-tendu, hein, attention, vous pouvez dessiner quelque chose. Voilà. Oui, c'est très simple, c'est nouveau, très très simple. Il suffit juste d'avoir de l'imagination. Et ça, bah, l'imagination, il faut la travailler. Faut dessiner quoi. Hein. Au bout d'un moment, ça arrive. Et cinquième et dernier truc, vous pouvez recopier tout ce que vous voulez. Vous pouvez prendre des BD, recopier chaque case si vous voulez. Mais attention, il y a un truc qu'il ne faut pas faire, c'est plagier. C'est-à-dire vous pouvez copier comme des dessins ou des BD ou des mangas ou n'importe quoi de ce que vous aimez. Mais faites attention à ne pas dire que c'est vous qui l'avez créé. Dites-le bien que vous avez copié sur un dessin, sans décalquer. Si possible, vous ne décalquez pas parce que ça sert strictement à rien de décalquer. Voilà. Voilà, c'est tout, je crois. Voilà. A plus. Genre, t'as un petit bouton ici, je crois. Genre là. Tu peux cliquer dessus, et genre t'abonner. Et là, tu peux regarder la dernière vidéo. Et un petit peu plus. Genre beaucoup, genre plus que mes dernières vidéos que j'ai faites parce que c'était pas terrible. Voilà.